Ça va, ça se passe bien. On a été très bien accueillis. Maintenant, on a pris le rythme et c'est ma deuxième année ici et franchement, on travaille très bien. Bon, on sait que c'est pour notre bien, c'est pour toute la saison, on travaille physiquement. Tu parlais que tu avais repris un peu avant déjà? Ouais, j'avais repris avant parce que j'ai pas joué beaucoup de matchs, j'ai une longue blessure donc j'ai voulu reprendre avant avec Alex. J'ai repris 2 semaines avant au club et ça m'a fait du bien, c'est pour ça que je me sens bien et c'est pour faire une grosse saison. Ça change qu'on est tous ensemble, on peut partager des moments de groupe ensemble. Le soir, on se retrouve dans certaines chambres, on rigole, il y a des affinités qui se créent. On fait chanter les nouveaux, ils sont très bons et ils sont bien, ils sont gentils et ça, c'est des bonnes recrues. Et c'est ça qui fait un peu le lien du groupe pour toute la saison. Parfois, c'est dommage, il y en a qui partent, on aimerait qu'ils restent, mais après, c'est le football, il y en a d'autres qui vont prendre leur place et sûrement des joueurs d'expérience. Donc, c'est à nous de bien les accueillir pour faire un bon groupe et une bonne saison. Ça va très bien, il nous a très bien accueillis, on fait des bonnes séances, il est plutôt basé sur le ballon, etc. Donc, ça va, à l'entraînement, on prend du plaisir. Et ça, on sent qu'on va progresser avec lui. On a beaucoup de discussions avec lui et ça fait plaisir que le coach pense à nous et nous pose plein de questions pour nous connaître. J'ai joué que 19 matchs, j'ai mis 6 buts et 4 passes. Après, si j'avais joué 38 matchs, ça aurait été beaucoup mieux. Mais après, il y a une blessure, je suis revenu et c'est le principal. J'ai repris mes sensations. J'ai appris aux côtés de grands joueurs. Ça m'a donné envie, ça m'a donné beaucoup d'assurance. Cette saison, j'ai envie de confirmer. Les supporters, ils m'attendaient, mais c'est vrai que 5 mois d'arrêt sans jouer, revenir comme ça en Ligue 1, c'est dur. Il faut mettre du temps, il faut demander aux gens blessés, ceux qui se sont fait opérer des genoux, etc. Moi-même, j'y croyais, je pensais que j'allais revenir très très vite. Mais après, on m'a expliqué, les chirurgiens, tout l'entraîneur, ils m'ont expliqué que c'était long, c'était dur à reprendre les mouvements, la vitesse, récupérer tout. Et après, pour moi, je pense que j'ai très très bien récupéré. Après, c'est normal que les supporters, les gens attendent beaucoup. Ça va aller vite, on va chercher Alassane Pléa. Au duel. La pointe de vitesse d'Alassane Pléa, il est passé, Alassane Pléa, il entre dans la surface de réparation, il frappe, bien joué, il ouvre la marque. J'ai marqué assez vite, j'ai eu des bonnes performances et la blessure, elle m'a coupé. Peut-être les gens attendaient que je revienne avec tout de suite avec mes possibilités de remarquer, de faire des gros matchs, mais c'est tout. Il fallait que je me mette en jambes, en rythme, et après, sur la fin, c'était mieux. Ouais, peut-être. Ils pensent que ça fait très très longtemps que je suis dans le circuit, mais c'est vrai que j'ai que 23 ans, j'ai même pas 60 matchs de Ligue 1, je pense. Mais je suis jeune et je sais que je vais apprendre et je vais progresser. Ouais, c'est vrai que je l'attendais ce but-là et j'ai été libéré. Ça fait du bien de revenir de blessure et de marquer. C'est à ce moment-là que ça a lancé ma saison. Ma deuxième partie de saison. J'étais bien sur la fin, j'étais bien, j'ai été décisif, j'ai fait des passes, j'ai mis des buts et j'aurais aimé que ça continue parce que moi j'ai pas joué beaucoup de matchs mais après voilà, c'est bien aussi, on repart sur une nouvelle saison et c'est à partir de la première journée, faut être prêt. Faut être bon pour l'équipe, faut jouer pour l'équipe, faut être décisif et pour un attaquant surtout. Et c'est ce que je me mets en tête. L'année passée, peut-être qu'on n'était pas très attendu et on a montré à la Ligue 1, aux supporters, aux gens qu'on était prêts. Et c'est vrai que cette saison, ça va être autre chose. Avec la Ligue Europa, on a fini 4e. Les adversaires seront un peu plus attentifs et c'est à nous de passer un cap et de leur montrer qu'on est toujours présent. Jouer la Coupe d'Europe avec Nice, avec un groupe très très jeune, c'est bien, ça va être des très très gros matchs et on va apprendre deux fois plus. On sait que maintenant on va jouer les jeudis soirs, on va jouer à l'étranger, etc. Et c'est vrai que ça fait des déplacements, ça fait de l'expérience sur des gros matchs. On va peut-être rencontrer des grosses équipes, on ne sait pas. C'est l'Europe et franchement, c'est quelque chose à faire et on va essayer de tout donner dans cette compétition. Ça serait de tomber sur qui?
Bon, une grosse équipe anglaise, hein, Manchester, ça serait le top. Découvrir Old Trafford et essayer d'aller gagner là-bas. Progresser, être décisif, mettre plein de buts, faire plein de passes et faire une très grosse saison comme l'année passée avec Nice. Prendre du plaisir avec ce groupe et bon, on va essayer de rééditer la saison passée.